Figure de style au goût du stylo, le lancement sera fait le vendredi 25 septembre 2020 à partir de 15h au Codiam à Cotonou. La date est choisie à dessein parce que cela va faire 50 ans, par la grâce de Dieu, que Patrick Diosso est né à Cotonou. Les figures de style au goût du stylo, c'est un ouvrage didactique et bêta-linguistique. Didactique parce que cela permet d'enseigner, de donner des renseignements et des enseignements sur un fait, les figures de style. Ces figures qui permettent à chaque être d'avoir du style dans sa manière de parler, d'avoir du style dans sa manière de communiquer, d'avoir du style dans sa manière d'être avec l'autre, d'être devant l'autre, d'être en face de l'autre. Et c'est dans toutes les langues, mais surtout en français. Surtout en français, les figures de style permettent à chaque être de pouvoir montrer qu'il comprend le français. Et dans l'écrit, on demande aux élèves ou aux étudiants de retrouver certaines figures de style. Comment les retrouver? C'est assez simple, il faut les connaître. Il faut savoir que telle figure a telle explication, telle autre figure a telle autre explication. Et c'est dans ce cadre que le livre devient un ouvrage métalinguistique. Ce qui est métalinguistique, c'est ce qui explique la langue. C'est l'explication sur la langue. Donc, c'est un ouvrage didactique et métalinguistique. Ce qui est métalinguistique, c'est un dictionnaire, c'est un ouvrage comme les encyclopédies. 156, c'est choisi, pas très exprès, mais ça tombe bien. Cela fait 3 ans pour pouvoir lire l'ouvrage. Parce que ça fait 52 semaines en une année, 52 fois 3, 156. La figure de style au goût du stylo, c'est un ouvrage qui va permettre de donner du bonus, du tonus et un plus à votre manière de parler.